Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue au rendez-vous de l'information sur la télé, totalement votre Renouveau Télé, les titres. Aussitôt arrivé dans la capitale des Adrar le mercredi 13 décembre 2023, le nouveau gouverneur de la région de Kidal, El Hadj Agamou, n'a pas tardé d'instaurer un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Les détails dans un instant. La fraîcheur s'installe de plus en plus à Bamako et partout au Mali, une période pendant laquelle les friperies sont très prisées à cause de leur prix. Mais attention, ces habits de deuxième main peuvent être source de maladies. Un homme a battu à mort son épouse hier à Bindougou, dans la commune de Kobri, région de Kita. Elle était âgée de 37 ans et mère de 5 enfants. Ce drame intervient une semaine après l'assassinat de 5 personnes d'une même famille. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. À Kidal, El Hadj Agamou prend sa première décision avec l'instauration d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Aussitôt arrivé dans la capitale des Adrar le mercredi 13 décembre 2023, le nouveau gouverneur de la région opte pour un couvre-feu de 20h à 5h du matin. C'est la toute première décision d'envergure du général Gamou depuis sa nomination à la tête de la région de Kidal. Les crimes semblent se multiplier dans la région de Kita. À moins d'une semaine, on y déplore l'assassinat d'au moins de 5 personnes, dont le dernier cas en date a eu lieu hier jeudi 14 décembre 2023. Aïssata Diarra pour les détails. À Bindougou, dans la région de Kita, une femme a été tuée par son époux. Le drame est survenu hier jeudi 14 décembre 2023 à Bindougou, dans la commune de Kobiri, région de Kita. Selon le maire de la localité, tout est parti d'une simple dispute quand la femme a demandé du maïs à son mari pour préparer du couscous pour les enfants. La dispute a pris d'autres tournures. La dame a été copieusement battue jusqu'à ce que mort s'en suive. Elle était âgée de 37 ans et mère de 5 enfants. Le 7 décembre dernier, un jeune homme âgé d'au moins 20 ans a tué 5 membres d'une famille qu'il a hébergée pour des raisons d'études. Il s'agit de 3 femmes, une fille et un garçon. Selon des témoignages recueillis sur place, toutes les victimes ont été assommées avec un gourdin avant d'être égorgées. Les mêmes témoignages rapportent que les 5 crimes ont été commis dans la nuit du mercredi 6 décembre au jeudi 7 décembre entre 3h et 4h du matin à Kita Kolibougou. L'assassin a pris la fuite après son forfait. Il a été arrêté le lendemain ainsi que 3 complices. La bande a été inculpée cette semaine et mise sous mandat de dépôt. Avec la multiplication des crimes, une psychose risque de s'installer dans la région. Je vous le disais dans les titres, la fraîcheur s'installe de plus en plus à Bamako et partout au Mali. Une période pendant laquelle les friperies sont très prisées à cause de leur prix. Mais attention, ces habits de deuxième main peuvent être source de maladies. Suivons ce reportage réalisé par Maïmouna Ouidraogo et Mantala Ouattara. Il est 8h dans la capitale malienne. La population s'est réveillée dans les froids et comme elle, les vendeurs de friperies aussi. Ici, au Raïda, chacun fait son choix selon son goût et ses préférences. Les vendeurs, quant à eux, frottent bien les mains en cette période de froid. En cette période de froid, il y a du marché. Parfois, les prix sont abordables et d'autres fois chers. Nous vendons des friperies pour les enfants. Les prix varient entre 300, 200 et même à 100 francs CFA. On peut vendre jusqu'à 3 balles par jour. On se débrouille, on ne se plaint pas trop pour le marché, quand même pour le moment ça va. Des fois si on casse des balles de 50 000 ou bien 75 000, nous pouvons vendre plus de... Par exemple, plus de moins de 7 balles quand même. Bon, pour le moment, on remercie le Tout-Puissant, vu que chaque période a son supermarché. Donc, avec ce moment de froid, nous sommes tendance à vendre les pulls.
Chaque période a son supermarché. Ce n'est pas ce que dira Maïmouna Diara, vendeuse de friperies depuis 20 ans. Elle vend principalement des couvertures. Selon elle, en ce début de fraîcheur, le marché est très lent. Normalement, pour nous, la période de fraîcheur est un temps propice pour se faire de l'argent. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout de marché. En ce qui concerne les couvertures, n'en parlons pas. On peut faire 3 voire 4 jours sans vendre une seule balle de friperie. C'est comme si nous n'étions pas en période de fraîcheur. La fripe, ça ne se vend pas qu'au marché. On en trouve un peu partout à travers la ville de Bamako. Nous sommes ici à Manyambougou, au bord du fleuve, où on trouve toutes sortes de fripes. Et le marché est bien au rendez-vous. La fripe est très sollicitée en cette période parce que les gens ont besoin de se protéger du froid. Donc le marché est bon en ce moment. Le prix n'est pas fixe. Il dépend de la qualité et aussi de la taille. C'est en fonction de cela qu'on marchande les prix. Donc les clients, quant à eux, sont très friands des friperies en raison de son prix abordable. C'est à cause du froid que je suis venue acheter de la friperie pour mes enfants. Ce matin, ils vendent à 100 francs. Donc, je vais en acheter pour 1000 francs. Le prix est très abordable. C'est pourquoi on aime l'acheter. Malgré qu'elle soit sollicitée par beaucoup de personnes, le port de la friperie sans les laver peut souvent être source de beaucoup de maladies. Selon Dr Sangaré, il faut impérativement les laver avant de les porter. Elle peut être la source aussi des infections, maladies infectieuses d'origine parasitaire comme la gale, qui est une infection parasitaire très très contagieuse qui se transmet par des contacts directs et indirects. Les contacts indirects là, c'est à travers ces friperies-là. Donc, pour éviter ces maladies, il est évident et recommandé de toujours les désinfecter et de faire repasser avant de les porter. Porter des friperies, c'est bien, mais les porter propres est encore mieux. Le pôle judiciaire spécialisé en cybercriminalité a rendu le verdict du procès contre le porte-parole du mouvement Yerewolo. Sidiki Kouyaté a été condamné à 2 ans de prison ferme. Son avocat, Maître Koto Traoré, a affirmé à Renouveau Télé d'avoir interjeté ce vendredi. Pour rappel, Sidiki Kouyaté avait été arrêté et placé en détention le 8 septembre pour trouble à l'ordre public et injure publique. L'ONG internationale Hélène Killer Mali, en partenariat avec la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique et l'Office national de la santé et de la reproduction, a organisé un atelier de plaidoyer sur les micronutriments multiples au Mali. Il s'agissait pour les parties prenantes d'échanger sur l'appropriation par les autorités de la stratégie de supplémentation en micronutriments multiples chez les femmes enceintes afin de réduire la morbidité et la mortalité maternelle due à la malnutrition aiguë. C'était ce vendredi dans un hôtel de la place. Adam Tangara, Matala Ouattara pour le compte-rendu. Lutter contre la morbidité et la mortalité maternelle due aux carences en micronutriments, tel est l'objectif du projet Transforming Life de l'ONG internationale Hélène Killer Mali en partenariat avec le gouvernement. La phase pilote du projet est en cours depuis quelques mois dans le cercle de Bla. Au total, 5593 femmes enceintes sont mises sur les suppléments micronutriments multiples. Cette rencontre vise donc à échanger avec les autorités sur la nécessité d'étendre le projet à l'échelle nationale. Ce projet est mis en œuvre dans le district sanitaire de Bla pour cette première phase et qui vise à faire la transition de MMS, les micronutriments multiples, donc qu'on veut mettre en place, qu'on veut donner aux femmes enceintes en remplacement aux fer acide folique qui sont en train de prendre d'habitude. Nous sommes en train de mettre en œuvre à Bla dans 15 aires de santé où les femmes enceintes, au lieu de prendre le fer acide folique, donc sont en train de prendre les MMS, appelés aussi Jiggy, qui contiennent, comme je l'avais dit, du fer acide folique et 13 autres micronutriments qui sont essentiels chez la femme enceinte et qui va
à la longue, non seulement assurer une bonne santé de la mère et également diminuer le taux de prématurité, diminuer également le faible poids à la naissance et également diminuer le petit poids pour l'âge gestationnel chez la femme enceinte. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, de nombreuses femmes enceintes sont victimes des carences en micronutriments, un danger qui n'épargne pas notre pays. Selon une étude de l'OMS, les carences en micronutriments les plus fréquentes sont les carences en fer, en vitamine A et en iode. Viennent ensuite le zinc, l'acide folique. L'anémie pendant la grossesse s'est avérée associée à un risque accru de mortalité maternelle et de mortalité périnatale de nourrissons de faible poids à la naissance. À noter qu'Hélène Killer est une ONG internationale intervenant dans les domaines des systèmes de santé et des systèmes alimentaires. Dans le cadre de l'amélioration de l'accessibilité, de la réaction et de la recevabilité des institutions de sécurité et de justice et processus de prise de décisions politiques et de paix inclusif, OneUp Mali, en collaboration avec Just Future, a tenu ce vendredi 15 décembre 2023 une session d'orientation pour le lancement d'un réseau de jeunes médiateurs. Cette initiative vise à promouvoir de jeunes acteurs pour le processus de paix et d'une gouvernance du secteur de la sécurité plus inclusif dans différents pays. C'est ce que nous dit notre reporter Baté Lolomadi. Cette session d'orientation permettra aux participants composés de jeunes aspirants à la médiation et à la résolution des conflits de comprendre les objectifs et les activités prévues dans le cadre de ces réseaux. Les représentants des organisations membres du consortium ont expliqué comment les jeunes médiateurs peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de la paix inclusive et d'une gouvernance du secteur de la sécurité qui intègre la voix et la perspective des jeunes. OneUp Mali a initié ce programme pour la médiation de 30 jeunes des organisations de la société civile, hommes et femmes. C'est pour que les jeunes puissent prendre connaissance de leur importance dans la société, que les jeunes comprennent quel est ce qu'ils valent dans la société. Si on appelle les jeunes pour faire la médiation, ça veut dire que c'est éviter à ce qu'ils aillent vers la violence. Tous ces instruments exigent aujourd'hui à ce que dans les pays qui sortent des conflits comme les nôtres, que nous puissions davantage impliquer les femmes et les jeunes dans les processus de réforme du secteur de la sécurité et que nous puissions aboutir à une gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Ce réseau de 30 jeunes médiateurs de différentes organisations va acquérir des compétences concrètes en matière de médiation et de dialogue tout en développant un lien fort et collaboratif entre eux. Une initiative saluée et soutenue par le représentant du maire de la commune 5 et le représentant du ministre de la Jeunesse. Cette activité d'une grande importance permettra aux organisations de jeunes d'être encore solidaires et d'être aussi mieux renforcées en capacité en vue d'une médiation efficace et efficiente. Mon département perçoit à sa juste valeur la mise en place d'un système de réseau et avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous apprécions à sa juste valeur le rôle incontournable que jouent les organisations de la société civile comme OneUp Mali dans l'édification de la paix, l'engagement et la participation inclusive dans la gouvernance de notre pays. Après cette session, les médiateurs seront prêts à relever le défi et à faire entendre leur voix à la promotion de la paix et de la sécurité inclusive, mettant en lumière leur capacité à façonner un avenir meilleur pour leur communauté et au-delà. Par ailleurs, la coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption et la pauvreté a organisé ce jeudi à la Maison des aînés une rencontre de partage et de diffusion des rapports des structures de contrôle et de répression de l'enrichissement illicite et de la corruption. Cette occasion a été saisie par la coalition d'inviter les acteurs à s'investir afin d'appliquer les recommandations issus de ces rapports. C'était dans le cadre de la semaine de la lutte contre la corruption. Oumar Koïta, Mohamed Touré.
Les rapports 2022 du Bureau du vérificateur général et de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite révèlent une récurrence des pratiques peu orthodoxes dans la gestion des services de l'administration centrale, des organismes personnalisés, des collectivités territoriales, des projets et des politiques publiques. À travers cette rencontre, la coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption et la pauvreté veut s'assurer d'une large diffusion des documents. Vous savez qu'ils ont fait, ils ont produit le rapport 2022, donc ils l'ont présenté aux plus hautes autorités. Maintenant, c'est le tour de la société civile de recevoir ces rapports-là et de les analyser et de faire le plaidoyer pour que ces rapports ne restent pas lettre morte, parce qu'on a l'habitude de voir des rapports qui sont produits et qui ne sont pas suivis d'effet. L'argent qu'on a décelé comme perte ces dernières années-là pouvait financer des centaines d'hôpitaux, des centaines d'écoles et pouvait vraiment assurer un développement meilleur pour nos populations qui souffrent actuellement de la pauvreté. À cette occasion, le vice-président de la coalition a donné des détails sur la plateforme Kenekanko qui permet d'alerter sur des cas de corruption et de violation des droits de l'homme. Il suffit de télécharger le Kenekanko au niveau de ta plateforme. Tu peux faire une dénonciation, soit verbale, soit écrite. La plateforme est financée par le PNUD. C'est un projet pratiquement de quelques 94 millions pour une année qui peut être renouvelable. Après avoir salué l'initiative, le représentant du ministre de la Justice a invité les OSC à s'approprier des rapports du Bureau du vérificateur général et de l'OCLE. L'objectif global de cette rencontre est de mobiliser les acteurs de la société civile, qui sont sans doute des acteurs incontournables pour mener à bien cette lutte. Qui, vous le savez, tout gangrène notre pays, freine le développement socio-économique et accroît la pauvreté. Je vous assure que le ministre de la Justice et tous les gouvernements seront à vos côtés pour lutter implacablement contre la corruption. La coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption et la pauvreté est une fêtière de plus de 50 collectifs d'OSC et en OSC membres qui fédèrent les actions de la société civile malienne. En vue de restaurer les cultes anciens, Mayablo et Bois Sacré ont organisé ce jeudi au Palais de la Culture Amadou Ampateba la cérémonie inaugurale du pèlerinage traditionnel Maya Sira en présence du représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Amadou Dja pour les détails. Cette action d'épanchement d'eau en honneur aux ancêtres, annonce les couleurs de la 8e édition du pèlerinage traditionnel Maya Sira. Mayablo et Bois Sacré, deux organisations de promotion des valeurs ancestrales, ambitionnent de réhabiliter les cultes anciens. Et pour elles, l'organisation de ces pèlerinages traditionnels permet de sensibiliser les Maliens sur la nécessité de conserver notre patrimoine culturel et historique. Plusieurs activités sont prévues durant les 5 jours de l'événement. 2 jours de conférences, d'explication de nos traditions, de nos cultes. Et ensuite, nous allons passer une journée entière à faire des libations sur les sites sacrés. On appelle ça Djibon. Sur l'actualité, les organisateurs du pèlerinage traditionnel Maya Sira adhèrent à la création de l'Alliance des États du Sahel, qui selon eux, était une recommandation de leur mouvement depuis quelques temps. Certains se sont appropriés de ce projet-là. Et comme si c'était leur invention, c'est nous qui avons écrit ça. Ceux qui veulent des preuves, j'en ai. Le gouvernement a fait l'honneur à l'organisateur présidant la cérémonie officielle d'ouverture de cette 8e édition du pèlerinage traditionnel Maya Sira. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a appelé les organisateurs à l'union sacrée. Tous les Maliens ont vraiment besoin de se donner la main. C'est que nous les exhortons vraiment qu'ils se réunissent pour que leur objectif, ils ont des objectifs, c'est pour que leurs objectifs puissent être atteints, quoi. C'est ça. Enfin, Mayablo a réaffirmé son soutien aux forces armées maliennes. Fin donc de ce journal. Demain à 19h, vous serez en compagnie de Marietou Makalou. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end
en notre compagnie, la vie débute hors de ta zone de confort. Proverbe africain, bonsoir.